Ça, c'est pertinent. Et pourquoi pas? Non, ça relève de la politique de gestion des emplois. Et personne ne maîtrise. Mais si nous, en forme, on investit sur quelqu'un, oui. Et un an après, on nous dit qu'il est parti, qu'est-ce qu'on aura tiré de cette problème? Ben, vous n'avez pas formé ou même vous n'avez pas recruté l'intéressé. C'est un problème de ce que nous appelons. C'est-à-dire, il y a la gestion des emplois publics ou la gestion prévisionnelle que l'État élabore par rapport à chaque employé. Et dans ce cadre, c'est-à-dire la commission vient piquer d'entre eux. Je vous arrête tout de suite. Pas de vous allez pas. Voir que ça ne va pas marcher si vous ne suivez pas ce que les membres de cellules travaillent pour leur pays, avant tout, pas pour l'Union. C'est l'erreur qui est souvent faite. On pense que, bon, la commission demande des choses, donc c'est le travail de la commission. Ce n'est pas le travail de la commission. C'est ces données qui sont collectées et traitées, c'est avant tout pour l'utilisation des ministères. Maintenant, ce que nous, on fait, on essaye de recueillir ça au niveau régional pour les agréger et avoir une vue au plan régional. Mais c'est avant tout pour le bon fonctionnement des ministères. Parce que ce sont des éléments qui permettent, qui sont carrément des outils d'aide à la décision. Donc vous ne travaillez pas pour la commission, mais vous travaillez d'abord pour vous-même. Et puis nous, on prend appui sur ce qui a été fait pour avoir une vue au plan régional. On est d'accord. Je voudrais peut-être recentrer la préoccupation. Il y a peut-être une différence à faire entre la stabilité ou la pérennité de la cellule statistique et la stabilité des membres. Parce que un membre, il est appelé, alors je peux nommer ce monsieur comme ministre. Il a le droit. Assurer la stabilité aussi sous-entend la formation continue au sein des ministères, puisque quand ils reçoivent la formation initiale, il faut leur permettre de transmettre ce qu'ils ont reçu comme formation à leurs collègues et à ceux qui vont suivre après. Mais ce n'est pas à la commission de gérer ce genre d'activité dans les États. C'est ça. Donc c'est au niveau de la formulation qu'il faut. On peut laisser membre, mais la cellule, il faut lui assurer une certaine durabilité. Mais ce n'est qu'une recommandation. Hein. Ce n'est qu'une recommandation adressée aux États. Bon, l'État va apprécier. Puis ce n'est pas aussi des fonctions de nomination, c'est des fonctions des travailleurs. Donc c'est.